C'est terrible d'être si dépendante des autres, a-t-elle confié. Dame Judy Dench, à l'approche de ses 60 ans de carrière, s'est livrée sans détour sur son état de santé. Cette grande dame du cinéma a avoué ne plus pouvoir voir sur les plateaux de tournage. La dégradation de sa vision, conséquence d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge, aurait été diagnostiquée en 2012, selon les informations rapportées par le média OK. Je ne peux plus tenir des rôles longs, expliqua-t-elle dans ce même entretien. Une nouvelle des plus tristes pour la Britannique, qui doit désormais trouver des solutions pour pallier ce problème visuel. Pourtant, cette icône du cinéma ne se laisse pas abattre. Des amis m'aident à mémoriser mes répliques, mais j'ai une mémoire photographique, laissait-elle savoir. Toutefois, l'idée de dépendre des autres lui est particulièrement désagréable. Malgré ses épreuves, Judy Dench n'a nullement l'intention de s'arrêter de travailler. Son énergie est inébranlable et sa détermination sans faille. Je compte jouer le plus longtemps possible, a-t-elle assuré dans cette même entrevue, avec cette force de caractère qui lui est si propre et que son public admire tant. Judy Dench, une légende du cinéma en 59 ans de carrière, Judy Dench a su charmer et émouvoir des millions de spectateurs avec son talent inégalable. Son aura, sa classe naturelle, et son jeu d'actrice hors pair continuent de conquérir le cœur du public, et même celui de la reine Camilla. Malgré les difficultés rencontrées, la Britannique reste une source d'inspiration pour beaucoup, faisant preuve d'une résilience et d'une passion pour son métier qui transcende les épreuves. Le monde du cinéma britannique et international ne peut que se réjouir de la volonté inébranlable de cette grande dame à poursuivre sa carrière malgré les aléas de la vie. Et si la dégénérescence maculaire ne cesse de ternir sa vision, Judy Dench continuera sans nul doute à illuminer les écrans et à éblouir son public avec toute la grâce et la magie qui la caractérise. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Walter.